Bonjour madame, un peu de lecture. C'est pas la peine, je suis déjà convaincue. Ah, vous êtes convaincue? Voilà. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. Arrivé en tête au soir du premier tour, dans 5 cantons du Bergeracois, le Front National tractait ce matin sur sa terre de prédilection. On a des gens qui m'ont contacté pour venir, on se retrouve déjà à une quinzaine, on fait tout le tour, on a pratiquement... on va être obligé de revenir en permanence chercher des tracts, si vous voulez, on est vraiment... c'est une montée en puissance, c'est une montée en puissance de jour en jour. Donc je pense que je suis vraiment confiant pour dimanche. Militant depuis 12 ans au parti et désormais secrétaire départemental, Éric Villemagne connaît bien ce genre d'exercice. En espérant que ça va vous convaincre davantage de prendre la bonne décision. Regardez ma décision. Ah, mais c'est dommage, monsieur. On a toujours l'idée de base, si vous voulez, bébête, le Front National, c'est fasciste, voilà, c'est raciste, fasciste, on entend que ces mots. Et déjà, tout ça, ça c'est si vous voulez, c'est oublié totalement. La nouvelle partition jouée par le mouvement Bleu Marine semble faire ses preuves. Depuis son arrivée, de nouveaux militants ont sauté le pas, attirés surtout par les questions de sécurité sur le territoire. Il n'y a que le Front National qui peut répondre à ces questions. J'étais à l'UMP, j'ai voté pour Chirac, j'ai voté pour d'autres, et tout ça, mais je ne vois pas de différence. Des militants qui battent incessamment le pavé, comme galvanisés par les derniers sondages. On sent une poussée, Marine nous amène la force, l'envie d'aller beaucoup plus loin, on se ressource, si vous voulez. Dans elle, c'est vraiment c'est une femme d'État. Ils scruteront sûrement de près les résultats dans leur région, en vue aussi des prochaines législatives.